Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nyansruba. Comme vous le voyez, je suis là et nous sommes de retour ici sur Nyansruba pour un témoignage puissant. Mes frères et sœurs, dites-moi, que feriez-vous si un jour vous arrivez dans la cuisine d'un restaurant et que vous découvrez que à la place de la viande, c'est de la chair humaine, comme ce que vous voyez là-bas? Aïe, 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 je suis sûr que beaucoup ici vont fuir. Ça, c'est un truc hors du commun. Ce sont des choses qu'on ne voit pas souvent, mais qui existent. Ça, c'est un témoignage puissant. Ici, une personne va nous dire qu'il y a un homme de Dieu qui lui a permis de voir des choses hors du commun sur la nourriture. Et c'est ce que nous allons écouter ici dans ce témoignage puissant. Déjà, regardez à l'écran. Qu'est-ce que vous voyez ici? Les choses sont claires. On voit juste là ici de la bonne nourriture. Ça, c'est ce que l'on peut voir avec les yeux physiques. Mais, spirituellement parlant, c'est que les yeux spirituels peuvent voir autre chose, comme là-bas. J'ai une personne qui a été découpée en morceaux et que les gens vont servir sous forme de nourriture. Et ça, comme, où est-ce qu'on a tiré cette image? Bien évidemment, c'est de Bon Appétit de Katy Perry. Dans le clip Bon Appétit de Katy Perry, on pouvait voir que elle était en train de se faire cuire par des chefs de cuisine. Et les gens ont pensé que bon, ce sont des choses pour le buzz et que ça pouvait pas être vrai. Mais vous serez surpris parce que nous allons entendre ici. Soyez prêts. Et comme c'était tout moi puissant, nous allons prier et demander à Dieu de nous donner la force. Oui, de nous donner le courage de toujours le servir. C'est pas facile, mais nous allons y arriver. Alors, les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, viens nous couvrir de ta lumière. Que ta lumière nous couvre aujourd'hui. Et que ton sang nous purifie. Ôte-nous tout ce que nous avons consommé qui n'était pas à ta gloire. Ôte de nos intestins. Tout ce qui ne t'a pas glorifié et que nous avons avalé. Tout ce qui appartient à l'ennemi, que nous avons consommé sans le savoir, nous nous en détachons. Que ce soit de la viande ou des fruits, ou des huiles, ou du lait, ou quoi que ce soit qui appartient au diable, nous renions cela. Nous ôtons cela de notre ventre, de notre corps. Que tout ce qui est un point de contact, un ennemi et nous, qui se trouve en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons cela. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toutes ces choses. Nous voulons être libres, Seigneur. Nous voulons être libres. Tout ce que les ennemis sont en train de faire sur le marché pour piéger les chrétiens et les affaiblir dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons cela. Tout ce que les pasteurs ont consommé comme nourriture, à cause de ça, ils sont devenus faibles. Maintenant, Seigneur, descends chez eux, localise-les et délivre-les de cet envoûtement. Délivre-les de tout ça. De tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, entre tes mains, nous remettons notre vie. Prends-nous, garde-nous, protège-nous et sors-nous de beaucoup de choses. Là où l'ennemi nous a placés, sors-nous de là. Là où le diable nous a positionnés, sors-nous de là. Et tout ce qu'ils utilisent comme les radars, ou les caméras,
tout ce que j'utilise, les micros, au nom de Jésus-Christ, nous consumons cela par le feu de cet esprit. Merci Seigneur de toujours nous donner la victoire sur nos ennemis et de nous donner la victoire sur le diable et ses démons dans toutes les dimensions, que nous sortons victorieux, que nous sortons la tête haute, sans blessure ni ride, que toi, mon Seigneur, de nous rajeunir aujourd'hui. Donne-nous ton pouvoir, donne-nous ta force, donne-nous ton esprit de discernement et ta sagesse pour la bonne compréhension de ce témoignage puissant que tu nous donnes aujourd'hui ici sur l'instrument. Que ta paix soit avec nous et avec tous ceux qui ont la crainte de Dieu. Amen. À présent, mes frères et sœurs. Oui, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. C'est un témoignage puissant. Et c'est le premier témoignage puissant du jour. Soyez prêts parce que ça va être chaud. Nous allons écouter cette personne qui va nous expliquer ce qui s'est réellement passé à ce niveau, comment elle a rencontré un ange, comment elle a eu des visions, tout ça, tout ça, tout ça. Écoutons, c'est parti. J'étais avec un ange qui m'accompagnait, et à travers cet ange, Dieu m'a donné des visions et des révélations. Étant avec lui, je ne pouvais que contempler ses pieds jusqu'au cou. Sa robe blanche allait des chevilles au cou. Et il m'a emmené dans un endroit où cela ressemblait à une grande usine abandonnée de par sa structure, et les matériaux extérieurs semblaient se décomposer faute d'entretien. Nous avons marché jusqu'à ce qui semblait être la porte principale de cet établissement. Et quand nous sommes approchés de la porte, elle s'est ouverte automatiquement, mais elle était bien fermée pour éviter toute présence indésirable. Lorsque nous entrions, j'ai vu beaucoup de gens occupés à faire des choses, car ils étaient aussi des entrepreneurs. J'ai été dirigé vers plusieurs compartiments de cette même usine par l'ange du Seigneur, et j'ai pu voir que c'était une usine de viande en conserve, précisément du chorizo, et une grande partie de ses dérivés seulement. C'était quelque chose d'étrange, car ce n'était pas une usine ordinaire. Parce que je pouvais voir à l'intérieur de cette usine qu'il s'agissait de viande, qui était produite à partir de morceaux du corps humain comme des jambes. Rapidement, j'ai vu les peaux bouillir des parties du corps qui étaient suspendues, comme des bras. J'ai vu des corps de personnes qui avaient été sacrifiées. Le corps des personnes qui étaient là était mis dans le boîte de conserve. Ils devaient être des substituts de vraies conserves de viande dans les marchés. Pour la consommation de la population, après avoir contemplé cette vision, nous étions sur le point de quitter le site par la porte principale, qui était maintenue verrouillée. Rapidement, le propriétaire de cet endroit ne voulait pas que je parte de cet endroit. Mais ensuite l'ange du Seigneur le regarda dans les yeux, et je pus contempler la haine profonde qui était dans les yeux de cet homme. C'est vrai, les yeux mauvais étaient intenses que s'il était autorisé, il m'aurait anéanti dans le même instant. Mais après avoir reçu l'ordre, la porte s'est ouverte automatiquement, et la vision s'est terminée. Donc mes chers et bien-aimés frères, n'oublions pas de chercher chaque jour à vivre une vie sainte, et sous la direction de l'Esprit Saint, car l'ennemi de nos âmes cherche toujours des moyens de nous précipiter dans les profondeurs de l'enfer. Nous devons toujours prier le Seigneur avant de manger et de boire, même jusque là nous veillons et prions, soyons sobres et vigilants. Dieu le Père du Christ, nous bénisse tous. Waouh, vous avez entendu ça? Juste soyons vigilants et prions sur ce que nous mangeons. Et c'est là que je vais parler aux frères et sœurs. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un combat sérieux, un combat qui nous oppose à beaucoup de personnes, même des esprits. Nous savons tous que le diable et ses démons ne dorment pas parce qu'ils ne sont pas des humains, même si les sorciers peuvent dormir. Mes frères et sœurs, faites très attention à ce que vous faites. Ne soyez plus distraits. Avant de toucher à quoi que ce soit qui va entrer dans votre ventre, prenez un court moment pour bénir Dieu pour ce que Dieu vous a donné avant de consommer la chose. Quel que soit ce que vous êtes fait dans la vie, vous devez mettre Dieu au devant. Parce que si Dieu ne vous accompagne pas, ce sera le diable et ses démons qui vont vous accompagner avec leur faux Saint-Esprit. La nourriture que nous mangeons tombe dans notre ventre. Si cette nourriture est souillée, ça risque de nous infecter.
C'est vrai que c'est le corps qui va recevoir la nourriture, mais l'esprit va prendre un coup. Si la nourriture que vous mangez a reçu des prières mystiques, comme des enfouissements, des prières pour des prières de mauvaises personnes sur la nourriture, pour que les gens qui vont manger la nourriture puissent être infectés spirituellement. Comme quoi, tu peux manger une nourriture physique et tu vas sentir toi-même qu'à un moment donné, tu es devenu lourd. Si tu avais prévu de prier à 20h, à 19h, tu vas commencer à t'endormir sans t'en rendre compte. C'est pas de la blague. Et quand ça se passe ainsi, le diable et ses démons applaudissent. Carrément. Faites très attention. Il y a des hommes de Dieu qui priaient bien, qui étaient forts dans la prière. Mais tellement ces gens-là aimaient trop manger. Et manger n'importe comment. Le diable les a eus par là. Ces gens ne pouvaient plus. Et leur force a carrément diminué. Faites très attention. Ce n'est pas un hasard. Si Dieu permet qu'on tombe tous sur ce témoin puissant aujourd'hui, faites vraiment très, très, très attention. Ne mangez pas n'importe où. Ne mangez pas n'importe comment. C'est vrai, on nous dit que dans la Bible, que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui en sort. Oui. Là, quand il s'agit de raconter des histoires de mensonges et de parler mal aux gens. Mais, ce que je suis en train de vous dire là, c'est une nouvelle technique que le diable et ses démons utilisent pour pouvoir initier les gens. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent que s'ils n'ont pas réussi à vous avoir par la nourriture, ils vont réussir à vous affaiblir ou vers ce que vous les appartenez. Ou au pire des cas, ils vont vous éliminer. Par la nourriture, on peut initier quelqu'un à la sorcellerie ou quoi que ce soit. Mais que croyez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une des histoires quand on nous montre tout le temps de la fête traditionnelle, des gens qui mangent des trucs bizarres? Parce qu'il faut absolument manger ces choses-là pour qu'elles puissent se transformer dans votre ventre en autre chose. Mais si vous avez le Saint-Esprit et que vous avez prié sur la chose, même si c'est du poison, ça va traverser votre corps et puis ça va sortir par le circuit d'évacuation et par votre port, la transpiration. Parce que Dieu est avec vous pour vous aider. Mais vous allez savoir ce que vous avez mangé et pourquoi vous êtes en train de souffrir. Faites très attention, mes frères. Le diable et ses démons travaillent 24 sur 24. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, juste soyez vigilants. Sachez ce que vous mangez. Comment vous pouvez vous en rendre compte que dans cette usine, les gens sont en train de préparer du feu n'importe quoi et cette personne a vu ça? Ça, ce n'est pas un hasard. On a même reçu un témoin puissant ici. Ou un ex satanique racontait que lui, il était allé dans une fête avec son patron. Lui, ce matin, garde le corps. Arrivé à cette fête, son patron lui a dit de ne pas manger à la nourriture ainsi qu'à tous ses amis. Ah! Lui s'étonnait. Eux-mêmes, ils avaient faim. Ils disent, mais ah, patron, comment est-ce que tu peux nous demander de ne pas toucher à la nourriture? Le patron a dit, la nourriture qui est ici, là. Elle est souillée. Ne la touchez pas. Lui, il a cru que c'était de la blague. Il voulait défier le patron en allant voir, en cherchant à manger quoi, la nourriture. À un moment donné, ça commençait à lever son patron. Son patron a levé sa lunette. Il a donné sa lunette. Il a dit, pourquoi cette lunette, sa lunette là? Et va dans la cuisine. Tu vas voir ce que les gens sont en train de préparer là-bas. Il pose ses lunettes, il va effectivement dans la cuisine. Et quand il pose ses lunettes, il voit autre chose que ce qu'il peut voir avec ses yeux physiques. Et c'est là qu'il voyait des bras des gens, de la chair humaine, quoi. Ça, c'est un truc de ouf, un truc de ouf. Et ce jour-là, c'était une fête de leur parti politique.
Jean a fait de ses partis politiques. Il a fait de ses partis politiques. À un moment donné, les gens doivent mourir et c'est ça qui convient que Paris ici. Jean transforme dans la société et on vient pour Paris physiquement. Si vous ne la voyez pas, si vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir là, cette nourriture-là, quand vous allez manger, vous serez envoûté. Mais si vous avez le Saint-Esprit en vous, ça va aller. Dieu va vous aider, il va vous garder, il va vous protéger. Et il permettra que, à cause de vous, à cause du fait que vous avez touché à cette nourriture, la nourriture devient pure et devient une nourriture normale. Vous voyez, c'est-à-dire que le diable, il utilise tous les moyens pour pouvoir avoir les enfants de Dieu, quoi. Et pourquoi il faut, c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit, priez sans cesse, si vous voulez vraiment résister à la tentation. Que Dieu nous donne la foi d'y arriver. Dieu va nous permettre de résister à la tentation, parce que lui seul a le pouvoir de le faire. Et nous soyons vigilants. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? Grâce à ceux qui ont déjà eu cette expérience, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais ce sont des choses qui sont quand même visibles, qui sont réelles. Surtout sur le marché, les gens qui vendent des viandes. Un jour, une femme qui a témoigné pour dire que elle allait acheter la viande au marché avec son propre argent. Elle arrive à la maison, prépare et mange bien la viande. La nuit, elle se retourne de son sommeil. Elle voit quelqu'un qui lui dit, ok, tu as mangé pour nous donner pour toi. Et la personne est tentée de l'agiter dans son sommeil. Du genre, tu as mangé pour nous donner pour toi maintenant. Comme quoi elle a mangé de la viande humaine qui se vendait sur le marché là. Maintenant, la personne qui a tué pour qu'on puisse vendre cette viande au chat, c'est cette personne-là qui se balade dans les rêves des gens pour réclamer cette tuerie. Et la femme s'est levée, il faut la voir dans tous ses états. Ah, qu'est-ce que j'ai même fait? Pourquoi est-ce que cette personne me voit dans mon sommeil pour me dire que j'ai mangé la viande? Quel est le problème avec elle? Ma soeur, hé ma soeur, tu ne sais pas, tu n'es pas au courant. Ce sont les sorciers. Tu as acheté de la viande sacrifiée, de la viande des sorciers. Mais tu n'avais pas les yeux spirituels pour voir ça. Voici comment tu te retrouves dans le problème. Dites-moi ce que vous en pensez, mes frères et sœurs. Ce sont des choses qui n'arrivent pas toujours, je vous le dis, mais qui peuvent arriver. On a même reçu des témoignages ici où on nous a dit qu'il y a une boîte de sardines qui, spirituellement parlant, a été transformée. On dit que c'est le cordon ombilical des femmes là, qui sont les points pour transformer ça en boîte de sardines. Les gens sont mauvais, okay. Quand j'entends ça, je me dis vraiment, si Dieu ne nous avait pas dit qu'il faut croire ça d'avoir vu, moi je n'ai jamais croire ça. Mais à cause de Jésus, que les gens disent merci à Jésus, quoi. De toute façon, il faut être prudent, il faut être vigilant quand même. Juste, fais ce qu'on te demande. Puis tu la nourriture, tu prends ta main droite, tu touches la nourriture. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, que cette nourriture devienne pure. Tout ce qui est à l'intérieur qui n'est pas pour ta gloire soit détruit. Tout ce qui n'est pas de toi, ôte les d'ici. Et que quand je vais manger cette nourriture, je ressens ce que je dois recevoir, la force, et que je puisse travailler et faire qu'à mes occupations. Amen. Tu parles comme ça, juste parle. La parole est la chose la plus puissante qui existe au monde, même dans le ciel. Même la preuve en est que le monde et les humains, tout ce qu'on voit ici, toutes ces choses ont été créées par la puissance et la parole de Dieu. Jean Dieu a parlé en même temps, ça. C'est comme un chef qui donne des ordres. Il parle et ça s'accomplit.
Tout ce que tu dis de ta bouche, c'est ce que tu vas voir, c'est ce qui va s'accomplir. Donc n'aie pas peur quand tu demandes de prier ainsi. T'inquiète pas. Dieu est avec toi. Utilise le pouvoir que Dieu a mis en toi au travers de ta bouche. Dieu te permet de faire de grandes choses. Surtout, évite de prononcer des paroles de malédiction. Arrête de prier pour maudire tes ennemis. Bénis tous tes enfants et aide les plus bandits à devenir bons. Que Dieu te donne la force aussi. Quand tu prépares la maison, maman, puis sur la nourriture avant de distribuer la nourriture aux enfants. Tu vois, machin, tu achètes la nourriture, tu achètes tout et n'importe quoi. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui t'a vendu quoi. Puis sur la nourriture, dès que tu sors, dès que tu sors du marché, du supermarché, tu prends ta main et tu touches juste ton sachet. Et tu dis, Seigneur Jésus-Christ, purifie cette nourriture. En fait, bon, purifie tout ce qui est acheté. Ça, c'est la première prière. Quand tu viens de préparer et que tu apprends à servir, Seigneur Jésus-Christ, purifie cette nourriture encore. Maintenant, vous qui allez manger la nourriture, avant de manger, priez encore dessus. Parce que les sorciers, ils ne baissent pas le bras. Si vous avez prié, vous allez désinfecter la nourriture, non? Ils vont venir après pour venir mettre quelque chose encore. Quand vous serez prêt à manger, là, c'est là que vous êtes prêt pour prier. Encore, vous priez encore. Ça veut dire que nous devons faire en tout temps des prières hors du commun, toutes sortes de prières, quoi. Juste pour se protéger. C'est comme ça, c'est. Ok, rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce bon. Restez connectés. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. C'est gratuit. Prenez soin de vous.